Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est la délivrance de la tête. La délivrance de la tête. Quand tu entends la tête, ça veut dire ton destin. Quand tu as la tête, c'est ton mariage. Quand tu entends la tête, c'est ton mari. Quand tu parles de la tête, quand tu parles de la tête, tu parles de tes pensées. Alléluia. Il n'y a pas de... Quand tu parles de la tête, tu parles de ton cerveau. Quand tu parles de la tête, tu parles de ta réflexion. La tête, c'est le centre de tout. Il n'y a pas de tête. Tu peux avoir... nous avons deux mains. Quand tu n'aimes pas de mains, tu peux encore vivre. Nous avons deux pieds. Quand tu n'aimes pas deux pieds, tu peux encore vivre. Mais il n'y a pas de tête. Alléluia. Vous savez ce qui fait que pour détruire Goliath, David a au contraire projeté le caillou sur le front. C'est toujours le front qui est toujours visé sur l'être humain. La tête. La Bible dit, dans Exode 17, verset 16, il dit, « Parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura la guerre. Il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek, de génération en génération. » La Bible dit, dans 2 Samuel chapitre 3, verset 1, il est écrit, « La guerre dura longtemps entre la maison de Saul et la maison de David. » David devenait de plus en plus fort et la maison de Saul allait en s'affaiblissant. Aujourd'hui, votre Saul va devenir plus faible. Et le David de ta tête va maintenant continuer à grandir et se fortifier davantage. La Bible dit dans 1 Roi 14, 30, il est écrit, il y a toujours guerre entre Roboam et Jéroboam. Alléluia. Et la Bible dit dans Job 22, verset 28, il est écrit, à tes résolutions répondra le succès et la lumière brillera sur ton chemin. Maintenant, tout ce que tu vas décréter sur ta tête, sur ta vie, le Seigneur va le faire apparaître maintenant au nom puissant de Jésus. La Bible dit Apocalypse 12, verset 11, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Avec le sang de l'agneau, tu vas vaincre toutes tes difficultés, tous les souillures de la tête. La tête, les cheveux, c'est ton destin. Tous les jours, tu t'en vas chez la coiffeuse pour te coiffer. Pour te coiffer, le plus souvent, il y a un grand trafic du monde des ténèbres derrière le monde des cheveux. Là, ta sœur, ta camarade qui te coiffe, le plus souvent, plusieurs esprits passent par là pour enlever un de tes cheveux et on s'en va garder dans la banque satanique. Et c'est avec ça qu'on manipule tout ton destin. Le mariage retardé, les problèmes qui se multiplient, les maux de tête, ainsi de suite, tout ça, c'est à cause des cheveux, les tresses et même les faux cheveux. Tout ça, c'est la tête. Le plus souvent, tu as tendance à oublier trop ce que tu ne dois pas oublier. Tu as quelque chose en main, tu oublies alors que c'est entre tes mains. Parce que le cerveau, la tête est souvent touchée. On ne se rend pas compte. Tu te rends compte que le plus souvent, tu t'énerves très rapidement. Tout ceci à cause du problème de la tête, du problème des cheveux. C'est pour ça que David dit, au jour du combat, le Seigneur, tu couvres ma tête. Parce que la tête, c'est toujours la seule chose que l'ennemi vise toujours. Quand il y a ta tête, quand il y a ton cerveau, il peut contrôler toute ta vie. Je prie maintenant pour tout chacun ici que le sang de Jésus, l'eau de vie, le feu du Saint-Esprit emballe toutes les têtes maintenant ici, maintenant sur ce forum au nom puissant de Jésus. Que le sang, le feu du Saint-Esprit, la parole de Dieu, emballe et vaccine, pénètre la tête, vos cheveux, depuis les cheveux jusqu'à la pointe des pieds, au nom puissant de Jésus. C'est pour ça que la Bible dit dans le psaume 23, il dit que il ouvre ma tête d'huile et ma coupe déborde. Toujours la tête, l'huile de Dieu, l'huile de joie, l'huile de guérison doit tomber sur ta tête pour que ta courbe, pour que ta vie change. Et dans le monde des ténèbres, eux, ils ont tendance à mettre les huiles de malchance, les huiles de la mort, il verse cela sur la tête pour que la tête se dessèche et que tous les jours, tu vas de problème
de problème en problème. Aujourd'hui, je prie encore que notre tête soit libérée dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Chacun doit se muter maintenant et se concentrer maintenant dans la prière. Maintenant, quand mettre un peu d'huile d'onction, un peu dans ta bouche, et tu mets l'autre sur ta main, et en avaler un peu d'huile d'onction, tu mets l'huile d'onction sur ta main. Alléluia. Recours cette table. La Bible dit que tu ouvres ma tête d'huile et ma coupe déborde. Maintenant, que l'huile d'onction, cette huile-là, qui est versée sur ta main, maintenant devient une huile qui détruit les agents des ténèbres au nom puissant de Jésus. Mais maintenant, cette huile maintenant sur ton front. Frotte ton front en disant sang de Jésus, sang de Jésus. Tu comptes sang de Jésus 21 fois. Frotte ton front rapidement, très fortement. Frotte-le, frotte ton front. Sang de Jésus, 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 sang de Jésus. Sang de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, dis maintenant, tu dois secouer encore ta tête. Là, tu vas secouer la tête. Le plus souvent, quand tu ouvres la Bible, tu veux lire, le sommeil vient, tu ne fais que t'endormir. Parce que depuis le deuxième ciel, on chute les balles sur la tête. Les balles d'oubli, les balles du sommeil, les balles de confusion, les balles de honte sont chutées tous les jours sur la tête. Tu vas secouer la tête. Tu vas secouer la tête. Quand, comme le plus souvent, tu dis par exemple non là. Tu dis en secouant la tête. Tu dis, je secoue ma tête et je fais sortir toutes les balles des ténèbres au nom de Jésus. Je secoue. Vas-y, secoue maintenant ta tête. Secoue maintenant. Recaposo yakata. Recata. Je secoue ma tête et je fais sortir toutes les balles des ténèbres. Au nom de Jésus. Je secoue ma tête et je fais sortir toutes les balles des ténèbres. Au nom de Jésus. Broka recata. Vas-y. Recata popo tatata. Secoue. Broka tatata. Tous les balles des ténèbres. Sautez. Rentrez chez l'envoyeur. Au nom de Jésus. Les balles des ténèbres. Les serpents anciens. Le scorpion. Qui sont logés dans la tête. Maintenant, sautez, retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. C'est pourquoi ça. La Bible dit que je vous ai déjà donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et tous les pouvoirs de l'ennemi. Et rien d'autre ne peut vous nuire. Serpent dans le cerveau, scorpion dans le cerveau. Manifeste et sortez au nom de Jésus. Manifeste, sors au nom de Jésus. Manifeste, sors au nom de Jésus. Serpent dans mon cerveau. Serpent dans mon cerveau. Scorpion dans mon cerveau. Manifeste et sortez. Sortez au nom de Jésus. Retour à l'envoyeur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. La Bible dit que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et tout autre pouvoir de l'ennemi. Dis maintenant, autre pouvoir de l'ennemi dans ma tête. Autre pouvoir de l'ennemi dans ma tête. Manifestez, sortez au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Autre pouvoir de l'ennemi dans ma tête. Activité du monde des ténèbres dans ma tête. Sortez au nom de Jésus. 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 Activité du monde des ténèbres dans ma tête. Sortez au nom de Jésus. Sortez au nom de Jésus. Sortez au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. La Bible dit dans Matthieu 15, 13.
toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée doit être déracinée. Dis maintenant ceci. Toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée dans ma tête soit déraciné au nom de Jésus. Soit déraciné au nom de Jésus. Tu dis toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée dans ma tête. Maintenant, tu accélères sur le mot soit déraciné au nom de Jésus. Tu multiplies. Maintenant, soit déraciné au nom de Jésus. Vas-y. Soit déraciné au nom de Jésus. Soit déraciné au nom de Jésus. Soit déraciné au nom de Jésus. Toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée dans ma tête, dans mon cerveau, dans mon destin. Soit déraciné au nom de Jésus. Soit déraciné, 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 soit déraciné. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Pour atteindre ta tête ainsi, il a fallu qu'il ait en main au moins un grain de tes cheveux. Peut-être que quand tu étais né, peut-être que même aujourd'hui, quand tu t'en vas dans n'importe quel salon pour te coiffer, ou bien même quand crêpe cabaret qui te coiffe, les chances qu'un grain de tes cheveux s'égare sont très grandes. C'est pour ça qu'il est toujours très important que chacun, tous les jours de ta vie, tu dois mettre le donjon sur ta tête. C'est écrit dans Ecclésiaste, sur tes cheveux. Alors, maintenant, un de tes cheveux qui vient entre leurs mains, la Bible dit que aucun de tes cheveux, chaque grain de tes cheveux sont comptés. La Bible le dit ça clairement. Ça veut dire que l'ennemi veut toujours avoir au moins un grain de tes cheveux. Parce que quand ils ont déjà un grain de tes cheveux, ils ont déjà toute ta vie en main. Tout ce qu'on cherchait, c'était de toucher et d'utiliser les cheveux de Samson. Dès lors qu'on a réussi à raser, à enlever son destin, tout, la Bible le dit très bien que le Saint-Esprit l'a quitté. Il a résisté une fois, résisté deux fois au ministère de Dalila. À la troisième fois, il n'a pas pu résister. Alors, on s'est occupé même de lui et on l'a crevé l'œil. Vas-y maintenant. Peut-être que tes cheveux sont dans le registre de Satan. Des membres des ténèbres, des sorciers. Tous ceux qui utilisent mes cheveux contre moi, tous ceux qui utilisent mes cheveux contre moi, meurent au nom de Jésus. Tous ceux qui utilisent mes cheveux contre moi, mourez au nom de Jésus. Tous ceux qui utilisent mes cheveux contre moi, mourez au nom de Jésus. Tous ceux qui utilisent mes cheveux contre moi, mourez au nom de Jésus. Tous ceux qui utilisent mes cheveux contre moi, mourez au nom de Jésus. Mourez au nom de Jésus. Mourez au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Vas-y maintenant et dis ceci. Fardeau invisible des ténèbres. Un gros sac. Le plus souvent, tu as tout un peu comme si tu même sur les lits, tu sens que quelque chose t'appuie sur la tête. Tu as des charges en toi, même que tu te demandes si un jour ces charges-là vont crier. Si tu vas résoudre tous ces problèmes-là un jour. Dieu dit ceci. Fardeau invisible des ténèbres sur ma tête. Prends feu maintenant au nom de Jésus. Prends feu maintenant au nom de Jésus. Prends feu, 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 prends feu au nom de Jésus. 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 Feu, 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 feu. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. À travers les cheveux qu'on t'arrache, ou bien les cheveux qu'on vient regarder l'enfant quand tu as accouché, un de ces cheveux disparaît le plus souvent, c'est ainsi. Ou bien quand tu vas te tresser le plus souvent, quand tu vas et que tu ne mets pas son l'huile d'onction sur tes cheveux. Alors, c'est à partir de ces cheveux-là qu'on peut introduire tous les problèmes. N'importe quelle personne que tu vois qui bégaye, là, c'est que
son cerveau entre les mains des Philistins à travers la main de Dalila. Les échecs au bord du succès, tout ça sont introduits dans ta vie par les cheveux le plus souvent, par la tête. Toi-même, maintenant, tu vas prier. Les certaines maladies, plusieurs retards, des choses n'arrivent pas à marcher. Le retard dans le mariage, les difficultés dans le foyer, toujours la tête. Parce que la tête, tes cheveux, c'est le symbole de ton mariage. C'est ta couverture spirituelle. Vas-y, écris ceci. Tout problème introduit dans ma vie par les attaques de la tête. Tout problème introduit dans ma vie par les attaques de la tête. Crie et fortement. Et dis-le distinctement. Tout problème introduit dans ma vie par les attaques de la tête. Meurs au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Quand tu vois Samson entre les mains de Dalila. Dalila était la femme de Samson et qui avait pour ministère de détruire Samson. Et Dalila avait été envoyée par les Philistins, par ses ennemis, par les esprits de la maison de son père, de sa génération. Alléluia. Le plus souvent, tes problèmes de la tête, des cheveux, sont des esprits, des choses qui sont liées à la génération de ton père ou de ta mère. Toi-même maintenant, là, tu vas lever maintenant pour adresser ce problème clairement et dire ceci. Ma tête, sois libérée maintenant des pouvoirs de la maison de mon père. Par le feu au nom de Jésus. Ma tête, sois libérée maintenant des pouvoirs de la maison de mon père. Par le feu au nom de Jésus. Ma tête, sois libérée maintenant des pouvoirs de la maison de mon père. Par le feu au nom de Jésus. Ma tête, sois libérée maintenant des pouvoirs de la maison de mon père. Par le feu au nom de Jésus. Par le feu au nom de Jésus. Par le feu au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, du côté de ta maman. La génération de ta maman. Si dans le rêve, tu vois souvent ta maman, c'est pas que c'est ta maman, mais même le Seigneur te dit que la lignée de ta maman. Ta tante, quoi, ou la maman de ta maman, le grand-père, blablabla, tout ça, c'est ça. Vas-y maintenant et tu vas dire la même chose. Ma tête, sois libérée des pouvoirs de la maison de ma mère. Par le feu au nom de Jésus. Ma tête, tu peux dire ma tête ou bien mon destin. Le mot tête veut dire destin. Le mot tête veut dire mon mariage. Ma tête, sois libérée de la maison de mon père, de ma mère. Par le feu maintenant au nom de Jésus. Ma tête, sois libérée de la maison de ma mère. Par le feu maintenant au nom de Jésus. Sois libérée, sois libérée, sois libérée, sois libérée, sois libérée, sois libérée. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. La Bible dit dans Deutéronome 28, il dit, tu seras toujours la tête, jamais la queue. Maintenant, quand ta tête est attaquée, tu deviens maintenant la queue toujours, jamais la tête. Tu vas maintenant renverser la prière et dire ceci, je rejette l'esprit de la queue et je réclame l'esprit de la tête au nom de Jésus. Je rejette l'esprit de la queue. Et je réclame l'esprit de la tête au nom de Jésus. Je rejette l'esprit de la queue et je réclame l'esprit de la tête au nom de Jésus. Je rejette l'esprit de la queue et je réclame l'esprit de la tête au nom de Jésus. Je rejette l'esprit de la queue et je réclame l'esprit de la tête au nom de Jésus. Je rejette l'esprit de la queue et je réclame l'esprit de la tête au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. À cause de Galates chapitre 3, de 13 à 14. Tu vas maintenant, tous ceux qui se mettent dans les cimetières, dans les couvents, pour convoquer ta tête, pour convoquer ta tête et dans leur couvent,
et commencer à frapper cette tête-là. Frapper cette tête et sur ton lit, maintenant tu as le mal de tête. Or, tu es sur ton lit et ta tête est au contraire dans les couvents. Tu es au contraire, tu es en Amérique et ta tête est au contraire au Cameroun. Alors que tu crois que, tu as, que c'est ta tête qui est sur toi. Alors que c'est dans le couvent, on en est de frapper et tu as la tête. On en est de verser l'eau chaude sur ça et ta tête chauffe. Les problèmes ne font que te chauffer dans le foyer. Quand on chauffe l'eau, on verse sur tes cheveux dans une boîte. Dis ceci. J'annule le pouvoir de toute malédiction sur ma tête, au nom de Jésus. J'annule le pouvoir de toute malédiction sur ma tête, au nom de Jésus. J'annule le pouvoir de toute malédiction sur ma tête, au nom de Jésus. J'annule le pouvoir de toute malédiction sur ma tête, au nom de Jésus. J'annule le pouvoir de toute malédiction sur ma tête, au nom de Jésus. J'annule le pouvoir de toute malédiction sur ma tête, au nom de Jésus. J'ai prié. Amen. Alléluia. Maintenant, tu vas rejeter l'esprit d'échec. On vise ta tête pour détruire ton foyer. On vise ta tête pour te dire de ne plus te marier. On vise ta tête pour saccager ton foyer. On vise ta tête pour que tes finances n'existent plus. Maintenant, l'esprit d'échec, tu vas annuler cette alliance avec l'esprit d'échec. Vas-y et dis ceci. Mets ta main droite sur ta tête et dis ceci. Ma tête, rejette l'alliance d'échec au nom de Jésus. Ma tête, rejette l'alliance d'échec au nom de Jésus. Ma tête, rejette l'alliance d'échec au nom de Jésus. Ma tête, rejette l'alliance d'échec au nom de Jésus. Ma tête, rejette l'alliance d'échec au nom de Jésus. Ma tête, rejette l'alliance d'échec au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, mettez votre main droite sur votre front. Votre main droite sur votre front légèrement. Et dis ceci. Ma tête, dorénavant, la vie sera facile pour toi. Tu seras convoité, honoré et couronné au nom de Jésus. Ma tête, dorénavant, la vie te sera facile. Tu seras convoité, honoré et couronné au nom de Jésus. Ma tête, dorénavant, la vie te sera facile. Tu seras convoité, honoré et couronné. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, pendant que tu touches un peu ta tête, comme si tu caresses maintenant ta tête avec tes cheveux, tu dis ceci. Parce que mon Père est un feu dévorant. Parce que mon Père est un feu dévorant. Caresse ta tête maintenant. Pendant que j'appelle le feu du Saint-Esprit. Mon Père est un feu dévorant. Feu du Saint-Esprit, enveloppe maintenant ma tête au nom de Jésus. Feu, récapose, j'appelle la pluie de feu de descendre maintenant sur ma tête. Récapacoto, feu du Saint-Esprit, enveloppe ma tête maintenant au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit, enveloppe ma tête maintenant au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit, enveloppe ma tête maintenant au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit, enveloppe ma tête maintenant au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit, enveloppe maintenant ma tête au nom de Jésus. Feu. Feu, pénètre, feu, 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 feu. Si capo kuta yakata poko ta yakata ba. Recapo soti yakata ta 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 ta. Recapo soti yakata ta 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 ta. Recapo ta 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 ta. Dis feu, feu, continue poko ta 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 ta. Des choses sont en train de se passer, des choses sont en train de se passer. Recapo kosa ta yakata ta 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 yakata ta ta. Recapo soti yakapo to ta ta ta. Recapo kota ta 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 ta. Makasa ta poto kota ta 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 ta. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. À partir d'aujourd'hui, toi, ma tête, vas-y, répète avec moi. À partir d'aujourd'hui, toi, ma tête, tu rejettes toute manipulation et tout envoûtement de la mort prématurée au nom de Jésus. Mets ta main droite encore sur ta tête. Saint-Esprit, couronne ma tête maintenant de la gloire divine. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, couronne ma tête maintenant de la gloire divine. Au nom de Jésus. Je libère ma tête
de toute alliance maléfique du sang. Au nom de Jésus. Je libère ma tête de toute alliance maléfique du sang. Au nom de Jésus. Je libère ma tête de toute alliance maléfique du sang. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu peux enlever la main de ta tête et tu pries maintenant ainsi. Que tous ceux qui ont formé un nuage maléfique sur ma tête, que tous ceux qui ont formé un nuage maléfique sur ma tête, que tous ceux qui ont formé un nuage maléfique pour ma tête, afin que je ne vois pas et afin que je ne reçoive pas du ciel, soit détruit par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Soit détruit par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Soit détruit par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Prie maintenant et dis ceci. Tu peux mettre d'autres fois dans tes rêves, voir le parapluie dans lequel tu es à l'intérieur. Ce parapluie est en train de te dire que ton ciel est fermé, le plus souvent. Maintenant, tu vas prier et dire ceci. Que tout parapluie qui couvre ma tête se disperse maintenant au nom de Jésus. Harcelez. Que tout parapluie qui couvre ma tête se disperse maintenant au nom de Jésus. Que tout parapluie qui couvre ma tête se disperse maintenant au nom de Jésus. Que tout parapluie qui couvre ma tête se disperse maintenant au nom de Jésus. Que tout parapluie qui couvre ma tête se disperse maintenant au nom de Jésus. Que tout parapluie qui couvre ma tête se disperse maintenant au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, mets encore ta main sur ta tête et dis ceci. Tu vas connecter maintenant ta tête à la prise du Saint-Esprit. Dis ceci. Saint-Esprit, accroche ma tête à ma destinée maintenant au nom de Jésus. Saint-Esprit, accroche ma tête. Connecte ma tête à ma destinée divine au nom de Jésus. Saint-Esprit, accroche, connecte ma tête à ma destinée divine maintenant au nom de Jésus. Saint-Esprit, accroche, connecte ma tête à ma destinée divine au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Vas-y maintenant et dis ceci. Feu de Dieu, mon Père est un feu dévorant. Feu de Dieu, brûle tout matériel satanique étrange dans ma tête. Au nom puissant de Jésus, feu de Dieu, brûle constamment tout matériel démoniaque, tout matériel satanique étrange dans ma tête au nom de Jésus. Brûle maintenant 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 au nom de Jésus. Feu de Dieu, consume, brûle tout matériel satanique étrange dans ma tête. Au nom puissant de Jésus. Brûle au nom 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 de Jésus. Ma sécu que ce tout 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 tout. Demande maintenant à Dieu pour qu'il applique le psaume 23 qui oint ta tête, Dieu, pour que ta coupe déborde. Dis ceci. Ô Seigneur, oint ma tête avec ton huile. Bénis mon eau. Bénis mon pain pour manger la graisse de ce pays. Pour manger la graisse de ce pays. Au nom de Jésus. Ô Seigneur, oint ma tête avec ton huile. Bénis mon eau et mon pain pour manger la graisse de ce pays au nom de Jésus. Pour manger la graisse de ce pays au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. La Bible dit que entre Caïn et Abel, quand Caïn et Abel étaient dans le champ, Caïn a sauté sur Abel pour le tuer. Il a sauté sur Abel pour le tuer.
à cause de ce verset, tu vas dire maintenant ceci. Toute tête maléfique qui a été élevée pour m'opprimer, Caïn s'est élevé pour opprimer Abel. Le ministère de Caïn, qui est le ministère de la sorcellerie, s'est élevé pour détruire le ministère de Dieu qui était entre les mains d'Abel. C'est ce qui se passe sur nos têtes. Alléluia. Toute tête maléfique, toute tête satanique qui a été élevée pour m'opprimer, je te renverse maintenant par la puissance du Dieu d'Élie. Au nom de Jésus, je te renverse maintenant par la puissance du Dieu d'Élie. Au nom de Jésus, je te renverse maintenant par la puissance du Dieu d'Élie. Au nom de Jésus, je te renverse maintenant par la puissance du Dieu d'Élie. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant là, le sang de Jésus donne vie. La Bible dit dans Apocalypse 12, 11, qu'ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. C'est-à-dire que le sang de Jésus peut donner vie. Le sang de Jésus peut détruire, peut tuer. Dis ceci, sang de Jésus, proclame la vie sur ma tête maintenant au nom de Jésus. Sang de Jésus, proclame la vie sur mon cerveau maintenant au nom de Jésus. Sang de Jésus, proclame la vie sur ma tête. Proclame la vie sur mon cerveau au nom de Jésus. Sang de Jésus, proclame la vie sur ma tête. Proclame la vie dans mon cerveau. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Le plus souvent, tu es peut-être au Canada. Tu es en Amérique, tu es peut-être en Angleterre, tu es en Allemagne, tu es en France, tu es dans un autre pays. Pendant ce temps, on est peut-être dans un autre pays, comme le Cameroun, dans ton village. On a mis l'eau, on a mis un miroir, et à partir là-bas, on contrôle toute ta tête. N'importe quoi, qui est même dans ton ventre, on regarde. À travers un miroir, à travers de l'eau, maintenant, tu vas prier et dire ceci. Tout pouvoir qui invoque ma tête devant des miroirs maléfiques, tout ce qui invoque ma tête, tout ce qui invoque la tête de mes enfants, la tête de mon épouse, devant des miroirs maléfiques, mourez avec vos miroirs au nom de Jésus. 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 Mourez maintenant avec vos miroirs. Mourez avec vos miroirs. Mourez avec vos miroirs. Mourez avec vos miroirs. Masseka poko tetetetetetetet. Reka poto poti kasete poto kota yakatete. Reka poko toko tekete poto ko. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Sur la base de Ésaïe chapitre 60, verset 1. Sur la base de Ésaïe chapitre 60, verset 1. Prie en disant ceci. Ma gloire, ma tête, levez-vous, brillez au nom de Jésus. Ma gloire, ma tête. Levez-vous, brillez au nom de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Tous ceux qui invoquent ma tête, même à partir du cimetière, pour le mal, tous ceux qui ont invoqué ma tête, la tête de mes enfants, la tête de n'importe quel membre de ma famille, pour le mal, à partir de n'importe quel couvent, soyez dispersés par le feu au nom de Jésus. Soyez dispersés par le feu. 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 Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci, je renvoie par le feu toute flèche de la sorcellerie tirée dans ma tête au nom de Jésus. Je renvoie par le feu toute flèche de la sorcellerie tirée dans ma tête au nom de Jésus. Je renvoie par le feu toute flèche de la sorcellerie tirée dans ma tête au nom de Jésus. Je renvoie par le feu toute flèche de la sorcellerie
tirez dans ma tête. Au nom de Jésus, je renvoie par le feu toutes flèches de la sorcellerie. Tirez dans ma tête. Au nom de Jésus, je renvoie par le feu toutes flèches de la sorcellerie. Tirez dans ma tête. Au nom de Jésus, je renvoie, je renvoie, je renvoie, je renvoie, je renvoie, je renvoie. Tapez les mains, tapez les mains. Je renvoie, je renvoie. Dis cela en frappant les mains. Je renvoie par le feu. Je renvoie par le feu. Toutes flèches de la sorcellerie, tirez dans ma tête. Au nom de Jésus, je renvoie par le feu. Toutes flèches de la sorcellerie, tirez dans ma tête. Au nom de Jésus, je renvoie par le feu. Toutes flèches de la sorcellerie, tirez dans ma tête. Au nom de Jésus, je renvoie par le feu. Toutes flèches de la sorcellerie, tirez dans ma tête. Au nom de Jésus, je renvoie, je renvoie, je renvoie, je renvoie, je renvoie, je renvoie. Au nom du sang de Jésus, j'ai prié. Amen. J'utilise maintenant le sang de Jésus pour annuler les conséquences des mains maléfiques qui ont été posées sur ma tête, au nom de Jésus, sur la tête de mes enfants, sur la tête de mes enfants. J'utilise maintenant le sang de Jésus pour annuler les conséquences des mains maléfiques qui ont été posées sur ma tête, qui ont été posées sur la tête de mes enfants. Au nom de Jésus, j'utilise maintenant le sang de Jésus et j'annule les conséquences des mains maléfiques qui ont été posées sur ma tête, qui ont été posées sur la tête de mes enfants. Au nom puissant de Jésus, j'utilise le sang de Jésus, j'utilise le sang de Jésus, j'utilise le sang de Jésus et j'annule les conséquences des mains maléfiques posées sur ma tête, posées sur la tête de mes enfants. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. La Bible dit, dans Job 22, 28, dans Job 22, 28, à tes résolutions répondra le succès et la lumière jaillira sur ton chemin. Ma tête, tu ne seras plus rétrogradé au nom de Jésus. Ma tête, tu ne seras plus rétrogradé au nom de Jésus. Toi, ma tête, tu ne seras plus rétrogradé au nom de Jésus. Toi, ma tête, tu ne seras plus rétrogradé au nom de Jésus. Toi, mon cerveau, tu ne seras plus rétrogradé au nom de Jésus. Toi, mon cerveau, tu ne seras plus rétrogradé au nom de Jésus. Toi, mon cerveau, tu ne seras plus rétrogradé au nom de Jésus. Le cerveau de mes enfants, le cerveau des membres de ma famille ne sera plus rétrogradé au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas prier maintenant pour ton cerveau. Spécifiquement. Spécifiquement. D'autres fois, tu oublies. D'autres fois, c'est un peu comme si tu ne penses plus. C'est un peu comme si ton cerveau ne marchait plus. Parce qu'ils attaquent tous les jours. Va dire et dis ceci. Flèche des ténèbres. Tirez dans mon cerveau. Flèche des ténèbres. Tirez dans mon cerveau. Retourne maintenant à l'expéditeur. Au nom de Jésus, flèche des ténèbres. Tirez dans mon cerveau. Retourne à l'expéditeur. Au nom de Jésus, flèche des ténèbres. Tirez dans mon cerveau. Retourne à l'expéditeur. Au nom de Jésus. Retourne à l'expéditeur. Retourne à l'expéditeur. Maseka pokoseta. Maseka potopoteka. Flèche tirée dans mon cerveau. Retourne à l'expéditeur au nom de Jésus. Retourne à l'expéditeur au nom de Jésus. Retourne à l'expéditeur au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Onction pour exceller. Onction pour le succès exceptionnel. Onction pour l'excellence. Descends maintenant sur ma tête au nom de Jésus. Descends maintenant sur ma tête au nom de Jésus. Descends maintenant sur ma tête au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis maintenant, la Bible dit dans le psaume 23, tu ouvres ma tête d'huile et ma coupe déborde. Onction spéciale du Seigneur. Ou un matel tête d'huile maintenant pour que ma coupe déborde. Au nom de Jésus, onction spéciale du Seigneur. Ou un ma tête, ou un mon cerveau maintenant, ou un la tête de mes enfants, ou un le cerveau de mes enfants, des membres de ma famille, pour que notre coupe déborde. Au nom de Jésus, pour que notre coupe déborde.
Au nom de Jésus, l'onction qui détruit le joug, l'onction qui détruit la souffrance, l'onction qui détruit la souffrance, qui détruit les maladies, descend sur nous maintenant. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. À partir d'aujourd'hui, ma tête ne sera plus utilisée contre moi au nom de Jésus. À partir de maintenant, la tête de mes enfants, le cerveau de mes enfants, le cerveau de mon épouse ne sera plus utilisé contre moi, contre mon épouse, contre ma famille, au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Toutes les forteresses dans ma vie, toutes les forteresses dans ma vie qui combattent ma tête, il y a des choses dans toi-même qui luttent contre toi-même. Toutes les forteresses dans ma vie qui combattent ma tête, qui combattent ma destinée, c'est écrit dans le psaume 3. Je vous renverse au nom de Jésus. 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 Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Sang de Jésus, eau de vie, parole de Dieu, feu du Saint-Esprit, pénètre ma tête, pénètre mon cerveau au nom puissant de Jésus. Enveloppe-le, enveloppe-le, enveloppe ma tête, enveloppe ma famille, enveloppe mes enfants. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Je cache maintenant toutes mes prières. Vas-y. Je cache maintenant toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je cache maintenant toutes mes prières dans le sang de Jésus. J'interdis toute rétaliation, tout regroupement à cause de mes prières. Au nom puissant de Jésus. Je cache maintenant toute ma famille dans le sang de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que ferais-je pour toi? Tu as tout fait pour moi. Que ferais-je pour toi, Seigneur?